Aboubacar Yaya de la force Coripoint Bénin Émergent FCBE est le nouveau locataire de l'hôtel de ville de Parakou. Il a été porté à la tête de la troisième ville à statut particulier par son parti. Le préfet du Borgou félicite la nouvelle équipe et la renvoie donc dans l'exercice de sa fonction. En ma qualité de préfet du département du Borgou, autorité de tutelle des communes et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions et vous renvoie à l'exercice de dites fonctions. Avec toutes nos félicitations, je voudrais, ainsi que je l'ai dit dans les autres communes où je suis passé, dire qu'à la préfecture, nous ne sommes pas FCBE, nous ne sommes pas BR, nous ne sommes pas Union progressiste. Alors, vous avez toutes nos félicitations. Je tiens à vous donner cette assurance que nous allons travailler ensemble à relever les nombreux défis de développement qui se dressent devant nous. Vous avez notre bénédiction. Je souhaite bon à la municipalité de Parakou, plein succès à l'équipe municipale. Le nouveau maire exhorte tout un chacun des conseillers à travailler main dans la main pour le développement de la cité des Koborou. Je voudrais dire une chose. Les élections sont terminées. Ce qui est moi à partir d'aujourd'hui, qu'on soit FCBE, qu'on soit Front républicain, qu'on soit Union progressiste, c'est le progrès et le développement de notre cher ville. Je demande à tout un chacun de vous que le fardeau qui vient d'être posé sur ma tête, je pourrai le conforter grâce à vos efforts. Dans ses fonctions de maire, Aboubacar Yaya, ancien ministre du Travail, de la fonction publique, sera accompagné par Issifou Amadou, Alassane Harouna Idrissou et Razak Abdoulmaman, respectivement premier, deuxième et troisième adjoint au maire. À la fin de l'installation, la nouvelle équipe qui va diriger la mairie de Parakou pour les 6 prochaines années a tenu une caravane à travers la ville, ceci pour remercier les populations qui ont porté leur choix sur les FCBE.